Bienvenue sur musculationprisedemasse.com où tu peux recevoir des conseils scientifiques de musculation pour devenir musclé et cut même si tu as une mauvaise génétique. Ici Étienne, docteur en santé publique et entraîneur personnel diplômé depuis 2006. Ça me fait plaisir de répondre aujourd'hui à une question de Diane qui nous écrit de Pretoria d'Afrique du Sud. Je pense que c'est la première question qu'on reçoit d'Afrique du Sud, Pretoria, la capitale administrative. Donc Diane, généralement on ne répond pas trop aux questions des femmes, mais je vais répondre à la tienne. Je te salue. 21 ans, s'entraîne de musculation depuis 3 mois, mesure 1,70 m et pèse 65 kg, 135 livres à peu près. Question. Salut. Je suis un programme de musculation des jambes et des fessiers. Je fais au moins 4 exercices différents pendant 20 minutes. Et c'est super efficace, mais à force de faire 20 minutes d'exercice matin et soir, je constate une perte de poids alors que je muscle mes jambes et fessiers pour qu'ils grossissent. Alors j'aimerais que vous me donniez une bonne fréquence de musculation. Diane, tu as le problème que 99% des femmes aimeraient avoir. Tu perds du poids trop facilement. Donc, je te félicite, tu es un des cas rares. Et il y a un certain nombre d'éléments intéressants dans ta question. Tu nous dis que tu fais 4 exercices différents pendant 20 minutes. Donc, tu dois faire là, des longues séries avec peut-être des centaines de répétitions. Ce n'est pas la meilleure façon d'augmenter le volume de tes cuisses, de tes fesses, donc la taille des muscles. Ce serait plutôt en faisant des séries courtes de 12 répétitions et moins avec un poids plus élevé. Mais je présume que tu t'entraînes à la maison avec le poids de ton corps puis tu suis probablement un DVD d'exercices ou des exercices que tu vois sur YouTube, par exemple, sur Internet. C'est plus dur à faire dans ce temps-là, mais retiens quand même le principe général qui est que tu veux surcharger tes muscles, ton corps avec une charge externe, un haltère, un élastique, faire des exercices sur une jambe à la fois seulement. Donc, mettre une surcharge, et c'est ça qui va donner un stimulus à tes muscles de grossir. Si, par exemple, monter un escalier, il y a des gens qui le font beaucoup et ça n'a jamais fait prendre beaucoup de masse musculaire à personne. Pourquoi? Parce que le poids n'est pas assez lourd. Donc, ça prend une charge externe lourde pour faire grossir des muscles. Et ici, j'ai l'impression que tu passes à côté. Tu en fais 20 minutes le matin, 20 minutes le soir à tous les jours. Si tu fais ça 6 jours semaine, peut-être de temps en temps, tu te donnes congé, là, mais 2 fois par jour, 6 jours semaine, si tu es capable de le faire, c'est la preuve que ce n'est pas assez forçant. Tu devrais avoir besoin de récupérer de temps à autre quand tu t'entraînes, parce que si tu n'as jamais besoin de récupérer, c'est parce que tu ne t'es pas entraîné assez fort. Finalement, tu constates une perte de poids alors que tu les entraînais pour qu'ils grossissent. Ton poids, il est régulé, déterminé, contrôlé par ton alimentation davantage que par l'exercice que tu fais. En fait, si tu fais de l'exercice, ça devrait te donner faim pour manger plus. Si tu ne gagnes pas de poids, il faut que tu manges davantage. Si tu as maigri, peut-être que tu as commencé à faire de l'exercice, mais que tu n'as pas augmenté la quantité de nourriture que tu manges. C'est quand même surprenant. En général, les gens qui commencent à s'entraîner vont gagner du poids. La plupart de ce poids-là va être en masse musculaire. Donc, si ce n'est pas le cas pour toi, j'irai voir du côté de ton alimentation. Il faut manger davantage au total et davantage de protéines aussi. C'est les deux éléments les plus importants. Donc, je suis resté un peu en surface, là, Diane, mais il y avait beaucoup d'éléments dans ta question. J'espère que j'ai bien répondu. Si tu en as d'autres, tu peux me les envoyer avec le formulaire sur ma page que tu connais, puisque tu l'as déjà rempli. Si toi, tu m'écoutes et tu veux aussi m'envoyer ta question de musculation, je m'adresse aux autres. Je vais mettre un lien, un petit pop-up ici sur la vidéo, là, une annonce, tu peux cliquer dessus, aller sur mon site web, me laisser ton courriel, comme ça tu vas recevoir toutes les vidéos de conseils de musculation que j'enregistre, tu vas aussi voir comment me laisser ta question de musculation, et finalement de temps en temps, tu vas recevoir des offres spéciales pour nos DVD, nos programmes d'exercice, par exemple cette semaine, un programme de prise de masse musculaire fait par un des hommes forts du Québec, un des hommes les plus forts au monde d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Clique ici pour recevoir mes prochains conseils vidéo. On se reparle bientôt. Bye bye.